Comme souvent durant l'été commencent différents travaux à Souffelweyersheim. Le plus important, rue des Mésanges. Ici, on refait tout dans le plus vieux lotissement de la commune, sorti de terre fin des années 60. Les travaux d'assainissement sont en cours, ont débuté il y a quelques semaines. Ils vont durer tout l'été. Ensuite, ce sera le gaz qui changera son réseau. À l'automne, ce sera la commune qui posera un nouveau réseau d'éclairage public. Et l'Eurométropole interviendra enfin pour refaire entièrement la voirie. Fin des travaux, estimée à début 2022. Au multi-accueil, les lutins de Souffel, ici on installe une climatisation dans chaque pièce. Il faisait très très chaud, l'été surtout. On arrivait à 30-32 degrés dans les différentes pièces, surtout dans les salles de sieste. Pour le bien-être des enfants, cela devenait nécessaire. L'établissement rouvre ses portes le 2 août, mise en service de la clim à la mi-août. Autre gros chantier estival, à l'église et au foyer Saint-Luc. À l'extérieur, la commune met aux normes l'accès aux personnes à mobilité réduite. À l'intérieur, nous modifions un peu les locaux, nous améliorons les sanitaires qui n'étaient plus aux normes et la cuisine pour le foyer. Et on a eu une mauvaise surprise, on a découvert de l'amiante, donc il a fallu désamianter. Enfin, l'extension du périscolaire suit son cours à la maternelle des Coquelicots. Fin des travaux repoussés au 18 août en raison de la pénurie de matériaux, mais il n'y a pas d'inquiétude pour la rentrée scolaire.